Oui, le titre de cette vidéo n'est pas du tout original. Certes, mais ça vaut la peine de la regarder jusqu'au bout, non? Yo, chers petits amis, c'est Nicomix et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale été. Voilà, c'est la vidéo Minecraft spéciale été et aujourd'hui, je vais pas perdre plus de temps. Déjà pour commencer, hein, voilà, tu me laisses parler. Aujourd'hui, je vais visiter deux maps. Voilà, deux maps de type été, logique. Voilà, c'est totalement logique. C'est logique. J'ai enfilé mon petit shader. Putain, les nuages par contre, ils sont dégueulasses. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Enfin bref, commençons avec une map qui est assez ancienne, mais que vous connaissez tous, hein. C'est Olan Island. Oui, c'est bel et bien le casino de cette map que je montre. Hyper vieille cette map, hein, dis donc. Voilà, normalement vous auriez connu Fanta et Bob qui l'ont testé en... Je crois que c'était en 2014 qu'ils l'ont testé. Ou peut-être 2013. Ou peut-être 2012. Ou peut-être... Avant de commencer, je ne serai pas tout seul dans la vidéo. Je serai pas en compagnie de Kailou. Je ne serai pas en compagnie de Maduka. Je serai en compagnie d'un gars qui m'est le plus fidèle de tous. Bon, en vrai, c'est pas vrai, hein, il me casse tout dans les couilles. C'est mon soi-disant bras droit, même s'il a pas vraiment de bras, hein, c'est un animal. Je parle bien évidemment de Mister... Roberto! Comment tu vas, mec? Eh, vraiment, t'es pas bavard du tout, hein. Comme vous l'aurez compris, ce lit sur pattes va m'accompagner pendant le parc. Enfin, pendant les deux maps, je veux dire, voilà, pendant les deux maps. Et il fait nuit. Ah, dommage. Oh non, mais je suis désolé, hein, l'été, c'est le jour, hein, c'est pas la nuit, hein. Putain, c'est grave stylé, le soleil. Putain, ça lag. Alors, où est-ce qu'on pourrait y aller pour commencer? Bah déjà, je vais pas aller au casino parce que sinon, je vais perdre toute ma monnaie. Attends, c'est quoi ce délire? Attends, c'est quoi ce délire? Je rentre direct et je suis même pas encore rentré dans le truc et ça lag direct. C'est un truc de malade. Bon, Roberto, tu m'attends sagement ici? Tu peux compter sur moi, je suis le best. Oula, je sais même pas de quel sens il faut partir. Bonjour! Oui! Ouais, Roberto, tu fais quoi là? Fais quoi là? Je lui avais dit d'attendre sagement dans la salle d'attente de l'attraction. Il faut qu'il vienne là. Mais c'est Disneyland pareil en fait cette map, hein. C'est quoi ce bordel? Là on a le terrain de golf, si je dis pas de bêtises. Bon, Roberto! Mais Roberto, mais qu'est-ce que tu fous, wesh? Wesh, wesh, les amis! Ah, c'est quand même plus. Et c'est quand même meilleur quand il fait jour, hein. Et en plus, on voit mon ombre. Bon, là on a un petit carrousel, c'est plutôt agréable à voir. Ça, c'est une grande roue. C'est une fucking grande roue. C'est quand même très bon, hein. Bon, Roberto, est-ce que tu peux arrêter de gigoter, s'il te plaît, là? Non. Oh! Oh merde! Non, j'ai pas envie de me réfugier dans le casino, non, s'il te plaît! Tu sais quoi, vas-y, je vais me réfugier dans ton casino, là, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est quoi ça? Ça, c'est un hopper? Wesh! Wesh! D'où il y a des zombies? Grâce à la magie des paramètres, je vais pouvoir enlever ce zombie. Regarde. Tada! Merci, applaudissez-moi! Mais oui, je suis là pour vous! Je suis votre héros! Je suis quand même preneur là pour les toboggans. Vous savez que j'aime ça les toboggans. C'est quoi là? Faut mettre un bateau là? Ouais, là t'as le planète Minecraft pour être plus précis, voilà. Avec des jolis bugs. Et hop, voilà. Oh, je suis déçu en fait. C'est quoi ici? Ça c'est un petit espace détente là? C'est... Là en vérité c'est stylé. Là t'as des petites cabanes, tu peux aller voir qu'est-ce que ça fait. Bon bah je pense qu'on en a terminé avec cette map. Du coup bah... Ouais, prochaine map. Prochaine map! Oh, mais que s'est-il passé, Roberto? T'es revenu à la vie, dis donc. Et en plus, tu m'as rejoint. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Non, mais c'était pas mérité, Roberto. Je te l'assure, c'était pas le mérité. Bon, pour la seconde map, on se retrouve dans la map, si j'arrive à trouver le nom, bien sûr. Paresso, de IG Fred, MC Waf. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu différent de ce que de l'autre map qu'on venait de voir. Bon, Roberto, écoute, je te laisse te balader, mais regarde-moi quand je te parle, voilà. Putain, je vais aller visiter la map. Et toi, tu peux te balader, voilà. Ah là, ce sont comment on appelle ça, des canoës. Alors là, je fly, mais c'est vraiment pour vous montrer en détail la map. Hein. Ça, c'est le market. Déjà pour savoir, là on a des petites cabanes là pour passer de très bonnes vacances, hein, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont aménagé les maisons? S'ils ont pas aménagé les maisons, ils ont aménagé les maisons. Très bien. Et ces arbres, franchement, c'est vraiment nostalgique pour moi. Vous savez pourquoi? J'ai voulu faire une map du même style que celle-ci.
C'est exactement le même style, avec les arbres qui sont près de la plage là. Oh, il y a toujours Roberto, dis donc. Je suis surpris, hein. D'ailleurs, allez, petite anecdote, ça c'est mérité, c'est pour vous. Allez, c'est petite anecdote. Quand je jouais encore à Minecraft Windows 10 édition, voilà, Minecraft Bedrock, je me suis lancé un challenge, c'était de créer un monde du même style des maps que je venais de vous présenter. Parce que l'été, j'adore ça, honnêtement, voilà, quand tu sors te baigner à la plage, vous m'avez compris, hein. Du coup, pour faire la plage, il n'y avait pas à World Edit sur Minecraft Windows 10. Du coup, pour faire la plage, vu que je n'avais pas à World Edit, j'ai utilisé donc la commande slash file. Oui, vous savez, là, la commande qui permet de créer un gros pavé de... Ouais, en gros, c'est comme Word Edit, voilà. Bah, rien à dire. Ensuite, après avoir créé ma plage, j'ai donc décidé de mettre les arbres. Voilà, les arbres, les palmiers, quoi. Sauf qu'un jour, comme un gros con, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai enlevé les arbres. Et vous savez qu'est-ce que j'ai mis à la place? Une ville. Putain, mais je me demande... Pourquoi j'ai fait ça, en fait? Je me demande pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que j'avais envie. J'aurais pu faire exactement comme le mec qui a fait sa map, c'est-à-dire faire ses palmiers, voilà, faire ses arbres. Franchement, et revoir ce jeu, et voir ce genre de map, franchement, ça, c'est vraiment, c'est une nostalgie pour moi, sérieux. Quoique... Quoi, tu sais quoi? Allez, on abat ces arbres là, on met une ville à la place. Je m'en fous. Du coup, les gens, ça va être tout pour cette vidéo, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, voilà. Et sur ce, au revoir.